Alors avec un ami Charles Fressé qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, on part sur les routes du monde pendant 10 mois, de septembre 2018 à juin 2019, réaliser un reportage sur la jeunesse. Parce qu'on entend beaucoup parler de la jeunesse, qui est-elle, on a peur d'elle, bref. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller l'interroger, partir pendant 10 mois sur les routes du monde, à travers 12 pays, ouais, c'est ça, du Mexique jusqu'en Irak. Il y a trois piliers qui vont équilibrer notre vie, en quelque sorte, notre petite épopée. Le service, l'aventure et la spiritualité. Le service, on aimerait beaucoup rendre un service par jour, par personne. Aventure, tout au long de notre aventure, notre route va être guidée en deux, trois mots par la Providence. Elle nous emmènera d'un point à l'autre sans vraiment être sûr du point de chute du lendemain. Et puis, la spiritualité. On aimerait passer par 8 communautés religieuses, on en a 3 pour l'instant en Irak, à Erbil, chez des frères dominicains, où on passerait un mois pour essayer de comprendre la jeunesse irakienne, et puis sinon en Chine, dans la vallée du Mékong, aux abords de l'Himalaya, aux confins du Tibet, on va dire, on partirait là-bas à Tsitjong, donc une communauté religieuse chrétienne, fondée par les missions étrangères de Paris, il y a de ça quelques centaines d'années. Donc c'est un projet grand, beau, et on espère qu'il va arriver à bout, puisqu'à la fin, on aimerait éditer un rapport de nos observations, ainsi qu'un film de tout ce qu'on a vu avec les personnes interviewées, avec 2-3 clichés, 2-3 vidéos,